Pas parler. Tu viens me prendre en photo. Je savais que t'avais une petite bite et des petites couilles, mais pas à ce point-là. Là. T'as peur de quoi? C'est ça. Ouais, ouais. Bonjour. Ok, alors bonjour McLove. Bonjour Caporal. Bonjour. Aujourd'hui, en ce moment, on est à la manifestation de la vague bleue, qui est en fait pour la laïcité. Qu'est-ce que tu as remarqué à date depuis qu'on est arrivé? Pour la laïcité qui est chantée à tue-tête, beaucoup de drapeaux du Québec. Selon leur communiqué d'organisation, ils disaient que le drapeau du Québec était beaucoup recommandé aujourd'hui parce que ça représentait leur fierté. Leur fierté. Et il y avait un contresens aussi. Pour ceux que ça intéresse, le drapeau du Québec, en fait, c'est un symbole catholique à fond. Et la laïcité est une valeur inverse du catholicisme. Donc, on est un peu dans une manifestation qui est un peu contradictoire. Bonjour, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve devant cette manifestation-là, où est-ce qu'on va aller poser des questions au monde, voir un peu sur quoi qui se base, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent être ici en ce moment. Tu veux prendre parce qu'on est un peu confus. Fait que, on va vraiment aller de personne en personne, pas faire des longs reportages à chaque personne, mais demander des petites questions à chaque personne, savoir pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils font ici, et qu'est-ce qu'ils pensent de la laïcité et de la... Parce qu'on veut montrer qu'on est fier d'être Québécois et qu'on se laisse pas se marcher ses pieds. Et dans le fond, c'est pour la laïcité? Ouais. Qu'est-ce qui fait que la laïcité va changer quelque chose au Québec? Dans le fond, c'est notre avenir, c'est nos souches qui sont en jeu là-dedans. On est fiers d'être Québécois, eux autres, ils veulent nous enlever cette fierté-là. Okay. Dans le fond, on veut pas non plus que nos enfants ils apprennent la religion à l'école. Ils ont pas à apprendre ça à l'école. Ils n'ont pas à se faire montrer des affaires comme ça à l'école. Ça reste à la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Vous pouvez vous poser quelques questions? Non. Non? Non? Vous n'êtes pas à l'aise? Ça ne me dérange pas. Non. En fait, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Ici, monsieur, c'est pour... moi, personnellement, c'est pour le Québec français et laïque. Laïque? Oui. Ça, c'est les valeurs fondamentales du Québec, pour vous? Pour moi, c'est celle qu'on a acquise là, quelques années, dans les années 60, ce qui est de la laïcité. OK. Qu'est-ce que c'est que la laïcité en soi? Pour moi, la laïcité, c'est ce qui permet à toutes les religions de coexister, mais il n'y en a aucune qui domine les autres. Et c'est cette neutralité-là, cette laïcité-là de l'État qui permet ça. Okay. C'est où qu'on voit la laïcité dans l'État? Aucun signe religieux. Ça se limite à ça? C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est la non-subvention d'écoles confessionnelles. C'est les religions devraient payer de l'impôt. C'est plein d'autres choses. Là. C'est pas rien que les insignes, là. Okay. Moi, en tout cas. Okay. Salut, Donald Brou. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aussi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu appuyer la laïcité. Alors, le Parti patriote a décidé de venir s'affirmer, que c'est à notre tour de s'affirmer pour la laïcité. Alors, pour la loi 21. Alors, on est ici aujourd'hui. On supporte la vague bleue et pour la laïcité. Quelles sont les valeurs du Québec profond, si on veut, de la naissance du Québec ou le symbole du drapeau? Que représente le symbole du drapeau du Québec? Oh mon Dieu! C'est une très bonne question. Si tu veux, t'as des indices en ce moment, là. La fleur de lys. Oui, la fleur de lys. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Même la royauté. La royauté. Il y a une croix ici. Ah. Qu'est-ce que ça représente, la croix blanche. La Saint-Jean-Baptiste. Puis le bleu?
c'est pas plus. C'est la Vierge Marie. En fait, c'est parce que le drapeau du Québec, c'est un symbole catholique. C'est, ça représente c'est des profondeurs religieuses. Fait que c'est un peu comme un contresens, si on veut, quand on parle de laïcité. Le drapeau québécois, qu'est-ce qu'il représente? Ben c'est ma nation, c'est mon État. Ouais. C'est votre identité? Pardon? C'est votre identité? Oui, mon identité, qui découle des Amérindiens en partie. Mm-hmm. Puis le drapeau en soi, mais il représente quoi? Je veux dire, quels sont les symboles du drapeau québécois? C'est une colle? Parce qu'une croix dessus? Entre autres. Mais c'est oui, juste pour mais... savoir. Oui, mais c'est parce que la croix, qu'est-ce que vous voulez? C'était à l'époque de Duplessis, donc c'est sûr qu'il y a une croix. Mm-hmm. Mais je veux dire, moi, je m'attache plus aux fleurs de lys. La fleur de lys qui était le symbole des rois de France, ouais. Donc la France. Qu'est-ce que la laïcité va changer pour le Québec avec la loi, cette loi-là? Ben, je crois que c'est une suite. On s'entend que la loi 21 est très faible, là, hein, oui. comme loi. On s'entend, c'est très faible, mais je pense que c'est une suite à la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, on est sorti de la religion catholique, on s'est affirmé qu'on voulait une société laïque, mais ça a toujours resté comme ça. Mais aujourd'hui, avec les grosses vagues d'immigration, je pense que ça prend une suite à la laïcité avec un projet de loi comme le projet de loi 21. C'est sûr que le Québec a été fondé là-dessus, sur le catholicisme qui vient de l'Europe. On a réussi à s'en sortir, mais t'sais, on est fiers de ce drapeau-là. C'est nos chouches, puis c'est pas une raison pour qu'on devrait changer de drapeau. C'est vraiment pas une raison. Est-ce que vous savez d'où que ça vient, la laïcité? La laïcité? De où ça vient exactement? Exactement, ben... Puis sinon, qu'est-ce que la laïcité va changer au Québec si on applique, par exemple, la loi 21, tout ça? Tout le monde peut exercer sa religion, mais l'État, s'il est neutre, tous les employés de l'État et du parapublic ne devraient porter aucun signe. Tu fais ce que tu veux quand tu es chez toi, tu portes ton hijab, ton voile, tout ce que tu veux, mais pour ce qui est du travail, sois neutre. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que vous pensez que l'État est neutre en soi, mis à part la religion? Est-ce que l'État, les politiciens sont neutres, dans le sens comme avec les corruptions qu'on peut remarquer, toutes ces affaires-là? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de morale souvent? Je pensais à quelque chose en m'en venant tantôt. J'ai dit, c'est sûr que nos élus ont été marqués par la loi, la foi chrétienne, la foi catholique. Fait que c'est sûr que quand ils votent des lois, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on fait encore appel à une conscience religieuse. Mais autant que possible, il faut penser plus en droits de l'homme. Les droits de l'homme. Et de la femme. Philosophie des Lumières. Oui. Okay. Oui. Puis, est-ce que tu penses que ça va vraiment améliorer les choses? Parce que si on regarde, par exemple, en France, la laïcité ne change absolument rien. Il y a quand même des prières dans les rues, il y a quand même des femmes extrêmement voilées. Le judaïsme est quand même très, très puissant en France. Donc, la laïcité s'applique surtout au catholicisme qu'on réalise. Donc, et ça accentue un peu les frictions un peu entre communautés. Donc, est-ce que tu penses que ça va réellement apporter quelque chose au Québec? Bien, au moins, le projet de loi 21, ça permet de voir les ennemis du peuple québécois. Parce que là, on les voit au grand jour, ça sort par milliers présentement dans la rue. Au moins, il y a ça de positif dans tout ça. Ça permet de voir nos ennemis. Puis aussi, ça permet d'avoir un certain réveil collectif du peuple québécois. Je crois que le mouvement, surtout le mouvement indépendantiste, est présentement au tapis. Je crois qu'on doit tout rebâtir là, à partir de zéro. C'est qu'est-ce qu'on propose avec le Parti Patriote. On en est rendu là présentement. Est-ce que ça serait le fait que l'islam ou d'autres religions arrivent si massivement qui vous inquiète plus que la question de la laïcité? Non. Pour moi, ça n'a pas rapport avec l'islam, le musulmanisme. Ça n'a pas avec toutes les religions. Pour obtenir la laïcité, il faut se plier à eux autres. Se sacrifier nous autres pour avoir la laïcité. C'est ça que c'est. Ouais, c'est une partie de notre identité, dans un sens. Ben c'est ça. On perd notre identité pour la religion musulmane. Puis si on n'arrête pas ça, ils vont contrôler la planète, par là. Mais c'est pas en soi, c'est pas la laïcité qui enlève notre identité. Et non l'inverse, dans le sens que si on serait, non pas un peuple laïque, mais plutôt catholique, qui s'affirme fort chez eux, ça ferait en sorte qu'on aurait moins de pertes d'identité ici au Québec. J'aimerais bien mieux être capable de garder ma religion catholique. Mais on ne peut plus faire ça. Comme j'ai dit, le Parti libéral a accepté les kirpans dans les écoles. La merde a commencé là. Non, mais c'est excellent, ravi de t'avoir rentré. Bonne chance pour la France, en fond. Bonne chance pour le peuple, pour tous les peuples.
Oui, exactement. La révolution mondiale qui est en train de se dérouler, qui est en train de se passer. Les Français ont peut-être été les premiers, je ne sais pas, à instaurer le mouvement. Dans tous les cas, on voit que dans d'autres pays, ça bouge aussi, en Europe au complet. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là qui sont oppressés par la BCE, par la Banque Centrale Européenne. Ouais. Puis, je suis un fier Québécois, hein, mais quand j'entends des discours de division, même si je suis pour la laïcité aussi. La laïcité en France en 1905, séparation des pouvoirs. Est-ce que c'était vraiment la séparation des pouvoirs, la loi de 1905? Exactement. Parce que dans la loi de 1905, il n'y a aucune place que c'est écrit la loi de la laïcité. À la base, c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc la séparation des pouvoirs. La Révolution française a supposément séparé les trois pouvoirs qui sont les trois pouvoirs d'État, qui sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le quatrième pouvoir, la religion, donc, a été séparé. À l'heure actuelle, à notre époque actuelle, nous voyons très bien que le média est le quatrième pouvoir de cette plutocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, il faut arrêter de se faire des accroires. Nous sommes dans un système plutocratique, dirigé, manipulé par des oligarches. Des oligarques, des oligarces. On espère qu'il y a un éveil, mais personnellement, le fait d'avoir un discours ségrégationniste, même si je suis d'accord avec la laïcité, mais le fait d'avoir un discours de séparation, on voit de toute façon ces jeunes, ces antifas, ils devraient être avec nous. On s'oppose avec eux autres, mais dans l'absolu, c'est le peuple avec le peuple. Ils parlent de fascisme, ils ne sont pas au courant de ce que c'est vraiment le fascisme. Donc moi, je reviens encore à ça, à Pierre-Éliott Trudeau, en 81, la nuit des longs couteaux. Ça a été vraiment très négatif. Et en 74. En 74, la loi qui privatise la banque, la planche à billets, la planche à pain. En France, c'est la même chose. La loi du 3 janvier 1973, c'est collé. La Fed aux États-Unis a été créée en 1913 directement au privé, avec une augmentation assez drastique sous Woodrow Wilson de la dette. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas de se faire rembourser la dette, c'est juste d'augmenter puis d'avoir des intérêts, des intérêts, des intérêts. Ça, c'est un principe d'asservissement et d'assouvissement au peuple. Donc, si jamais il y a des antifas qui m'écoutent, regardez, moi, j'en ai rien à crisser de tout ça. Je suis, regardez, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est contre les pipelines, contre tout ça. On veut que le peuple communique entre eux et arrêter de se séparer sur des hosties pécadilles qui sont manipulées et fomentées par le gouvernement et par une base du gouvernement. On s'entend qu'on vit dans une pyramide. Pour moi, la pyramide est tronquée en deux. Il y a l'élite qui est au-dessus et le peuple qui est en bas, la classe moyenne, les prolétaires. En parlant d'élite, c'est qui a fait la laïcité en France? C'est qui a emmené ça? 1905, les francs-maçons? Ah, ça c'est une bonne question. Le sionisme, en fait, le principal, je fais un amalgame avec le sionisme, le principal problème qu'il y a en France, en Europe, et ici pareil, mais c'est le sionisme, c'est le contrôle de la population par une élite. Une élite qui veut juste asservir le peuple. Donc que le peuple se réveille, moi je suis content avec ça, je suis vraiment à 200% d'accord avec ça. Mais il faut aussi arriver à comprendre les manipulations au-dessus. Malheureusement, seul l'être humain est capable de s'auto contre-lobotomiser. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent attaquées. Par rapport à ça, moi je refais aller chercher des informations sur les attentats, le Bataclan. Le Bataclan juste de base, le 9-11. Fomenté, c'est clair et net. La cathédrale Notre-Dame, dernièrement, ils l'ont tondu. Ils ont pris le toit, ils l'ont tondu complètement. C'est démolition contrôlée aussi, on le voit très bien. En 2 heures, tu peux pas faire brûler autant du bois 8 fois centenaire. C'est impossible. Ça a été. Même l'ingénieur en chef. Même l'ingénieur en chef qui a été 13 ans, on voit très bien, en 5 minutes, on est capable d'aller chercher des informations. L'ingénieur en chef qui était 13 ans en place, qui est parti dans les alentours de 2010, il expliquait que je suis parti et j'ai tout laissé à neuf, tout rénové, le système électrique, tout était remis à neuf. Pour la rénovation à l'heure actuelle, avant, il n'y avait pas de permis de feu. Donc tout ce qui était soudure et tout ça, c'était impossible. Puis est-ce qu'en France, la laïcité a vraiment fait en sorte que ça a changé quelque chose face à l'immigration massive, ou que ce soit l'islam? Tout ça, c'est la bullshit. Tout ça, c'est la bullshit. Pourquoi aujourd'hui on devrait se battre pour la laïcité en soi, si ça change? C'est pas ça. De mon point de vue, je vous dis, franchement, c'est pas la laïcité qui est importante. Oui. C'est pas la laïcité. On met ça en avant, mais c'est la Constitution. Moi, aujourd'hui, je suis là pour la Constitution québécoise. C'est juste ça, le principal. Le RIC, exactement, le RIC, ou n'importe quelle forme, il faut crisser dehors cette oligarchie, cette plutocratie. Tout le monde dit, ouais, mais on sait très bien qu'on n'est pas en démocratie. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Ce que je veux, c'est avancer ensemble avec le peuple. Les communautés, le foulard, l'islam. Bah, moi, j'habite, pour vous dire,
c'est le coin des patriotes. Ouais. C'est un coin, c'est le petit Maghreb. Moi, je me sens en France. Ouais. Y a pas de, je dis salam alaikum, je croise des Arabes, je discute avec eux, hamdoullah. Y a pas d'oppression par rapport à ça. C'est le pouvoir toujours qui met de l'oppression, qui divise, le fait de pointer une communauté, mais c'est toujours la même communauté qui est pointée du doigt. Les musulmans, l'islam est négatif. Mais est-ce qu'on parle de ce qui se passe, de ceux qui tirent les ficelles, de ceux qui sont au pouvoir, les sionistes? Et que, bing, voilà, encore une diversion, encore une opposition. Donc vraiment, il faut se rendre compte. Ils font chier avec leur putain de laïcité, là, ils gueulent ça dans les oreilles. Je suis pour tout le monde ensemble. Mais là, il faut arriver à sortir de tout ça, il faut arriver à sortir. Dans un sens, ça serait pas plutôt un faux combat en ce moment, la laïcité? Carrément, un faux combat. Ils mettent ça en avant, mais moi je suis ici aujourd'hui, je reviens encore à ça. C'est pour avoir pour reprendre une réelle démocratie, mais que ce soit pas qu'au Québec, c'est au Canada aussi. Le Canada au complet est asservi par la Banque du Canada, ouais. On s'entend. Donc c'est pas le peuple contre le peuple, contre les Canadiens, les têtes carrées ou peu importe. Il faut arrêter tout ça. Les Antifas, ouais. Aussi. Les Antifas sont des jeunes qui sont institutionnalisés dans des universités en plus. Par l'école laïque. Donc là, est-ce qu'on est capable de réfléchir ensemble et de dire, au bout d'un moment, on fait une pause à tout ça, on se réunit, on se bat dans les yeux. Une couverture sur tous les immigrants. Alors que nous sommes aussi des immigrants, mais nous sommes ici. Ça veut dire que ce n'est pas tous les immigrants qui sont concernés. Ça, c'est le premier message qu'il faut que les Québécois comprennent. Qu'il y a immigrants et immigrants. Il y a les immigrants qui ne respectent pas les lois, il y en a d'autres qui respectent la loi. Et ceux qui ne respectent pas la loi, je peux vous garantir qu'ils sont très minimes. Alors donc, quand admettons qu'il y a un problème comme ça, je veux que dans l'esprit du Québécois, ça soit clair. Que ce n'est pas les immigrants qui sont contre la loi. C'est une poignée de personnes qui sont contre la loi. Donc il faut qu'on dise exactement qui sont cette poignée de personnes-là, parce que nous, on n'est pas impliqués là-dedans. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que j'ai envoyé, c'est que, comprenez-vous, la dernière fois, nous, on a lu la déclaration des élus de Montréal qui sont justement contre le projet de loi. Voyez-vous, nous sommes des immigrants. OK, on se rend compte que leur déclaration a été un peu émotive. On est reconnaissant envers sa sensibilité envers nous. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des dirigeants qui sont démocratiques. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des dirigeants qui respectent la loi. Comprenez-vous? Parce que nous autres, c'est la seule chose qui fait qu'on est en sécurité dans ce pays-ci. Donc, le troisième message que j'envoie, c'est que la terre du Québec ici, c'est le seul... tous les immigrants et les Québécois, nous avons une seule chose en commun. C'est le Québec et ses lois. OK? Donc, nous sommes ici pour défendre le Québec et ses lois. Et à cause de ça, moi, je vous dis une chose. Quiconque va toucher à la démocratie du Québec, quiconque touche à la démocratie du Québec, il n'aura pas juste les Québécois en face de lui. Il va avoir nous aussi en face de lui. Il va avoir des hommes et des femmes debout sur son chemin. Donc, moi, je pense que, présentement, une des raisons qui fait qu'on est ici à Québec, c'est l'environnement de paix qu'on a. Alors, donc, il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour garder cette paix-là telle qu'elle est. Pour ne pas réveiller plus de passion que ça. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Je m'appelle Yann Dell. Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur Yann? Alors, moi, je suis un fier gilet jaune. J'ai fait la promotion de cette vague bleue-là. Ouais. Alors, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai mes blogs, j'ai mes vidéos que je fais. Et j'ai aidé à faire la promotion de cette journée-là. Mais moi, je suis un fier gilet jaune. J'ai pas mon danseur avec moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus en fonction de la vague bleue.
Par exemple, moi, si je suis ici, c'est aujourd'hui, je suis avec mon uniforme de suite médic. Alors, je suis là pour voir est-ce que tout se passe bien. Alors, c'est un peu comme en France. Alors, tantôt, malheureusement, j'ai été obligé d'aller aider une personne qui a fait une crise d'épilepsie. Alors, oui, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est plus de 100, 200. Alors, il faut avoir des gens sur les lieux pour protéger, voir à ce que le monde s'hydrate bien, qu'il y ait assez d'eau, que le monde soit... qu'il puisse manifester d'une manière sécuritaire. C'est qui en ce moment? C'est quoi le danger en ce moment de la manifestation? Est-ce que c'est la police qui est là ou c'est ou les antifas? Bien, actuellement, je vous dirais qu'il y a comme un genre de mise en scène qui fait en sorte qu'on a confronté la vague bleue à ce qu'on appelle des antifas de l'autre côté. Bon, moi, dans ma philosophie, c'est du peuple contre du peuple actuellement, là, OK? On est du peuple, appelle-le comme que tu veux, qui est en train d'haïr l'autre partie du peuple. Mais ici, on est quand même Québécois versus Québécois, si je ne me trompe pas. Alors, écoute, moi je pense que il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a juste deux personnes qui ont comme deux idées différentes. Et moi, je serais du genre, ça peut peut-être paraître farfelu, mais je serais du genre à faire la convergence de ces Québécois-là. On converge le Québec ensemble, les idées différentes. C'est sûr et certain qu'on se rejoint quelque part. C'est sûr et certain que le gouvernement, il nous manque puis il profite de nous deux. Autant les gens qui s'identifient à la vague bleue que les gens qui ont peut-être d'autres idées. Il y a surtout beaucoup de jeunes. OK? Il y a beaucoup de jeunes. Je regarde de l'autre côté, c'est des jeunes. Bon, qu'est-ce qu'on leur a dit? Je ne sais pas. C'est quoi leur vraie idée à ces jeunes-là? Je ne sais pas. Mais moi, je serais comme tendre la main. Tendre la main pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez? Nous, on veut avoir on aimerait ça avoir un pays. Il est où le problème? Est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'on ne s'est pas bien compris? Mais j'aimerais ça ouvrir le dialogue au lieu de juste avoir un réflexe de lancer des pierres. Et de deux, nous, on a un mouvement qu'on appelle le mouvement des immigrants et Québécois unis et affirmés, MICA. Donc c'est un mouvement qui regroupe tous les immigrants qui sont consentants avec les lois du Québec, avec le projet de loi 21. C'est tous les immigrants qui sont consentants, qui sont dans ce mouvement-là et qui sont sur la même table, okay, qui discutent sur la même table avec les Québécois de souche, qui sont aussi consentants avec ça. Donc nous, on a la meilleure plateforme présentement qui regroupe les deux camps. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Je veux que s'il y a du monde qui sont des immigrants et qui sont un peu timides et puis qui ne veulent pas s'exprimer ou qui peuvent, et puis qui sont, disons qu'ils sont un peu timides, nous on offre une plateforme pour qu'ils viennent s'exprimer. Ok, c'est le temps qu'on a. Aujourd'hui, c'est le temps que tous les immigrants se lèvent pour défendre ce que nous avons en commun avec les Québécois, qui est la terre québécoise et les lois du Québec. Maintenant, de nous mettre ici, de nous confronter, ce que je disais tantôt, c'est comme si la mise en scène est faite qu'on veut nous confronter, comprends-tu, pour créer une réelle division. Cette division-là, elle est inutile. On a beaucoup de divisions ici, sans parler de religion, de gauche, de droite. Il y a beaucoup, beaucoup de divisions. On veut un pays, tu le vois le signe, c'est... Mon mot d'ordre, c'est la convergence. Il faut converger les luttes, il faut converger les combats, aller contre le vrai ennemi, qui est l'oligarchie. Oui, on a ça ici aussi, au Québec, au Canada, on a l'oligarchie qui est là, qui veut nous diviser. Il y a des noms? Est-ce que tu peux donner des noms à cette oligarchie-là? Écoute, je serais porté à dire Trudeau, mais Trudeau, c'est comme une pointe de... C'est une pointe de l'iceberg, c'est une marionnette. Alors, écoute... Des groupes, des lobbies... Des compagnies, c'est beaucoup les lobbies, les compagnies, ceux à qui Trudeau essaie de plaire. OK? Alors, là, quand je dis Trudeau, là, je veux dire, le prochain qui va arriver, que ce soit un conservateur ou qu'importe, ils ont toutes la même mission. Hein? Je ne vais pas vous le cacher, pendant le référendum, j'ai voté pour le oui. Alors, donc, c'est pour dire que je suis pour l'indépendance du Québec, mais je crois aussi que chaque chose en son temps. Présentement, le combat qu'on a amené, c'est de faire respecter le Québec. Okay. Et le Québec, pour le faire respecter, c'est d'imposer notre démocratie et c'est d'imposer les lois au Québec pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc quand on va acquérir cette victoire-là, les autres questions, on va les regarder. Mais je vous dis, si c'est pour répondre à cette question, je ne vois pas de mal à ce que le Québec devienne un pays. Au Québec, c'est... Bien sûr!
Dieu.